Et salut à tous, c'est Jopacor et on se retrouve pour un 9e épisode de Super Mario Galaxy. Aujourd'hui, nous allons continuer le monde 4. Nous avions fait dans le précédent épisode ces trois galaxies. Ah, j'ai oublié la médaille comète d'ailleurs dans le monde Milo. Tant pis, on va avancer et commencer avec l'usine chambre pour cet épisode. La fabrication des chambres dorées. Donc évidemment, doré égale étoile. On voit déjà la fin du niveau par là. Et le but de ce niveau va être de guider les chambres jusqu'à l'arrivée ici. Plusieurs fois. Et de cette manière, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer dans le niveau. Laissez-moi juste obtenir, voilà, cette médaille comète. Je peux faire baisser ceci. Et ces plateformes baissent avec le poids, donc j'ai juste à rester ici et attendre. Voilà. J'en ai besoin de juste un, hein, toi je m'en fous. Et nous avons un anneau étoile. Bien joué mon enfant, merci. On peut prendre le checkpoint et regarder la scène qui se déroule devant nous. Ça va? La pauvre, je crois bien qu'elle déraille. Qu'est-ce qu'elle dit elle? Tu veux te battre? Allez, approche! Ah, d'accord. D'accord. Bon, on va la laisser. Ici, on a un tuyau. Je suis curieux, donc je vais aller voir ce qu'il y a. Ah, d'accord. Une opportunité de gagner des vies. J'en ai encore 12 puisque je tourne cet épisode à la suite du précédent. Donc, j'ai encore les vies de l'astuce du monde des titans. Donc, on va pouvoir avancer. On est plutôt tranquille. Alors, hop. On peut aller chercher. Sérieusement? Je disais donc, on peut aller chercher si on... Laissez-moi monter. Et ici, si on regarde... Non? Pourquoi il y a... Ah d'accord, c'est la galaxie précédente. Et normalement, quelque part, il y a... Voilà, c'est là, d'accord. Il y a beaucoup de fragments d'étoiles. Petit secret. Hop. Non, tu ne vas pas m'avoir. Ici, on va pouvoir activer ceci et ça va déclencher l'arrivée des Chung. On prend le one-up. Et on va pouvoir avancer. Prendre l'anneau étoile. Et on arrive déjà à la fin du niveau. Où nous avons notre ami le Chung doré qu'on va devoir guider. Jusqu'à la fin. Oups. Donc c'est plutôt tranquille. Hein. Il faut juste se mettre au bon endroit. Voilà, vous voyez, ça descend même pas de la lave. Donc c'est vraiment tranquille. Ensuite ici. Regardez, il n'ose même pas venir. Ah si, il ose. Ok. Bon, je peux me prendre ça, mais c'est pas très grave. J'ai encore un point de vie, c'est tout ce qui compte. Et on va juste attendre ici. Le champ arrive, on le monte. Donne-moi une pièce, comme ça je garde ma vie. Et nous pouvons récolter le fruit de nos efforts, c'est-à-dire une étoile. Alors, évidemment, si on n'obtient pas le premier chomp, si on casse le premier chomp, bah, il y en a d'autres qui vont arriver. Ce qui permet quand même de nous questionner sur le nombre d'étoiles qu'ils ont ici. Et pourquoi, quand je refais cette galaxie, on a la même étoile. C'est la magie des jeux vidéo, en fait. Mario, j'ai une aide pour toi. Recherche main d'œuvre. Les tâches insolites de l'espace, ça te connaît, pas vrai?
Eh bien, même Robbie a un travail pour toi. Je t'attends dans la galaxie de la mine d'étoiles. Alors dépêche-toi. Signé Robbie. Merci d'utiliser le service de tout facteur. Donc, ça va être comme les comètes farceuses pour le moment. On va ignorer ceci. Il nous faut 40 étoiles. On en a 47, donc on pourrait avancer si on veut. On va pour l'instant continuer l'usine chambre, ceci dit. Et faire la deuxième étoile en dernier ressort, qui, comme son nom l'indique, réintroduit le champignon ressort, le fameux de Supernova Galaxien. Et donc, il faut bien évidemment, c'est la séquence tuto, il faut l'utiliser pour monter, parce que là, on peut très bien monter, je déconne. Voilà. Donc, nous arrivons à nouveau dans la deuxième planète, qui a un petit peu changé cette fois-ci, puisque on n'a plus les anneaux étoiles là-bas. On a toujours des fragments étoiles, ceci dit. Alors, est-ce que ça va mieux? Tu veux te battre? Allez, approche. Ok, t'as même pas changé de dialogue, d'accord. Vous êtes devenu Mario Ressort. Appuyez sur A au bon moment pour rebondir. Oui. En soi, j'ai même pas besoin de Mario Ressort, mais on va quand même le faire normalement. Hop. On arrive ici. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Supposons que tu nous dis quelque chose. On va quand même se prendre un petit dégât. Et comme ça, on va pouvoir voir. Voilà. Non! C'était pas ce que je voulais faire. Non, non, non! Je voulais juste voir le dialogue. Pourquoi vous êtes si cruel? Oh, pour à peine, je vais pas prendre de champignons ressort cette fois-ci. Comme ça, je vais vous montrer que c'est possible et en plus, c'est plus rapide. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Faut pas pousser mes mérobies dans les sorties. Ok. Ça va pas beaucoup mieux. C'est moi, c'est moi, c'est moi, j'ai paniqué, c'est ma faute. J'ai tourné, j'aurais pas dû. C'est moi. Ouais, on va juste continuer. Cette fois-ci, on ne doit prendre aucun ressort. J'ai compris ma leçon, d'accord. Après tout, ça s'appelle en dernier ressort, donc ça sous-entend qu'on est censé prendre les ressorts en dernier ressort, ce que je n'ai pas fait. Donc, on va appliquer le titre et ne pas les utiliser pour nous. Va quand même l'utiliser ici parce que normalement je ne suis pas censé mourir. Allez, non. Je suis pas censé mourir, par contre je peux très bien tomber. D'accord. Oups. Je devrais utiliser la charge au sol pour me contrôler plus souvent. Ça me permettrait d'éviter de trop avancer. C'est bon, j'ai réussi à passer. Je ne sais pas comment j'ai réussi avec cette charge au sol bien timée. J'ai même pas fait exprès, mais ça s'est bien passé. Et ah bah tiens, on arrive à nouveau dans la salle des machines. Ça faisait longtemps. Une semaine pour vous, ceci dit, donc je suppose que c'est longtemps. Quand même. Mais pour moi, ça fait 10 minutes, même pas. Enfin bref, nous revenons dans la salle des ressorts. Et nous avons toujours Luba qui est toujours aussi sceptique. Voilà, oh, 1 minute, Timus. C'est quoi ça maintenant? Un ressort? Tu entends ça? Il fait bouing comme un lapastrière. Ah, il avait l'air plus content. Il y a du progrès. Donc, on va pouvoir revenir au. À l'écran de sélection des montres. Cette fois-ci, on n'a plus d'étoiles disponibles dans ce monde. Donc, on va avancer vers la plage astrale et commencer cette galaxie. Et probablement la finir aussi, à vrai dire. Hop. Étoiles d'argent et sable blanc.
Donc en ce moment, on aime beaucoup les étoiles d'argent, je crois que vous avez remarqué. Personnellement, j'aime bien les étoiles d'argent dans ce genre de galaxie où c'est un petit peu ouvert. Ça me rappelle les pièces rouges dans Mario Sunshine. J'aime bien. Ça change du design un petit peu linéaire, généralement, des Mario Galaxy. Donc c'est cool. Prends des fragments d'étoiles, parce que si on les offre, on va pas refuser. Bonjour. Va te prendre. Monter là. Et ici, normalement, il y a... Ah oui, ce bug. J'avais oublié. Bon, bah tant pis. On va redescendre. Prendre ceci. Et cette fois-ci, s'il te plaît, tu vas te faire éclater. Bon, d'accord. Là, c'est moi qui ai loupé. Je peux rien accuser. Troisième essai. On dit jamais 203, mais je vais casser la malédiction. J'ai rien dit. J'ai juste rien dit. Alors, quatrième essai. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Voilà. On a. On a également ceci par là-bas, donc on va tout de suite y aller. Alors. Est-ce que j'ai bien visé? Non. Pas du tout. Pas du tout. Hein. On va juste s'arrêter là, à vrai dire. On va réessayer parce que là, c'était très mal visé. Hop. Donc, cette fois-ci, on va essayer comme ça. Comme ça? Allez, on va essayer comme ça. Bon, encore pire. Allez, s'il vous plaît. Ah oui, je peux plus m'accroupir là. Et bienvenue dans la nouveauté de Super Mario Galaxy 2. Yoshi nage très bien. Et je rappelle que dans Sunshine, il disparaissait immédiatement s'il nageait, mais bon, c'est pas grave. On va juste monter ici. Alors. Du coup, vu qu'on n'est pas parti d'en haut, il va falloir finir comme ceci, mais c'est pas grave. Nous obtenons cette deuxième étoile argentée, donc normalement on est censé. Oups, on va. Bon, d'accord. On est censé utiliser ce fruit. Mais pourquoi utiliser ce fruit quand on peut faire ça comme ça? Je vais quand même le prendre ici. Hop. Parce que j'avais envie, à vrai dire. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose. On va obtenir cette troisième étoile argentée. Excusez-moi. Si vous entendez mon micro, hop, on peut marcher sur l'eau avec Yoshi. Pimenté, je ne sais pas trop comment dire. Mais on peut marcher sur l'eau dans cet état. C'est plutôt sympathique. Donc je disais également, si vous entendez mon micro se couper et se rouvrir, c'est juste que j'ai terminé. Voilà, j'ai pas fait attention. Donc je suis tombé, mais on va pouvoir utiliser le trampoline et avoir cette étoile. S'il te plaît. Allez. Allez. Bon d'accord, on va faire ça comme ça, voilà. Cette fois-ci j'ai eu. On va plonger. Est-ce qu'on peut plonger avec Yoshi? Non, il revient quand même à la surface. D'accord. D'accord. Donc en fait, il peut pas nager, il peut juste sauter. Ouais, effectivement. Hop. Donc on va passer par là et normalement ouais c'est ce que je voulais. Hop. Je pense pas qu'on va pouvoir revenir vers Yoshi malheureusement. Ah non, il est plus là. Dommage. Bon. On va se recharger en air.
Et il me semble... Non, d'accord, c'est pour la prochaine étoile. Ok. Donc, où est la cinquième étoile argentée? Et quand je dis ça, je la vois. C'est quand même plus lent qu'avec Yoshi, hein. Enfin bref, on obtient l'étoile qui arrive ici. Hop, c'est, oui, c'est pour orienter la caméra. Et on va juste voir. C'est bon, on arrive à la surface, je crois. Voilà, on va pouvoir obtenir cette étoile, s'il te plaît, merci. Première étoile de la plage astrale. Étoile d'argent et sable blanc, médaille comète, fragment d'étoile, pièce. Nouveau chemin qui ne change absolument rien. Comète farceuse ici qu'on va pas faire. En tout cas, pas pour le moment. La partie a été sauvegardée. Et nous allons pour le moment continuer cette galaxie avec la deuxième étoile. L'escalade de la tour des nuages. Dan, dan, dan. Bon, en fait, il suffit d'escalader ceci pour obtenir l'étoile. Mais évidemment, il faut déjà obtenir un marron nuage. Alors, il y a une méthode pour faire cette étoile super rapidement. Mais pour faire ça, je vais juste pas réussir. Voilà. Voilà, c'est tout. On peut essayer une ou deux fois, mais non, je vais pas réussir. Donc, on a le retour des Pionta, comme dans Mario Sunshine, qui nous lance. Et donc, c'est comme ça qu'on est censé faire pour obtenir l'étoile avec la méthode rapide qu'on regarde quand le nuage va arriver, c'est bon. Ah, mal timé. Donc on va essayer une deuxième fois. Un peu plus tôt donc. Que j'ai tournoyé trop tôt, ouais. J'ai dit deux fois, mais vous me connaissez. Je vais essayer. Je dis que j'ai tournoyé trop tôt, donc je vais essayer un tournoi plus tard. Je crois que j'ai tournoyé trop tard. Bon, on va abandonner, on va juste faire l'étoile normalement. Et pour cela, c'est très simple. Il faut juste aller par là-bas. Et vous remarquerez. Hop, on va plonger. Vous remarquerez que là où précédemment c'était fermé, cette fois-ci c'est ouvert. Il y a même des pièces pour nous indiquer que c'est par là. C'est bien balisé. Oh, une flèche, d'accord. Et nous avons un anneau étoile pour éviter de finir de remonter manuellement parce que ça aurait été un petit peu lourd quand même. Hop, nous avons donc Mario Nuage ici. On peut prendre ce canon pour revenir rapidement. Pour une fois que ce canon est utile, au lieu de nous gêner, franchement. Hop. Et donc, on va pouvoir faire deux choses. La première, c'est utiliser les nuages. Et la deuxième, c'est pouvoir être sur les nuages sans qu'ils disparaissent. Hop. Voilà. On obtient un nouveau Mario Nuage ici. On n'en a pas besoin pour monter à vrai dire, mais c'est toujours plus simple. Et j'ai trouvé une étoile. Wouhou! En soi, c'est pas trouver les étoiles qui est difficile, c'est trouver comment y accéder. Je suppose qu'on a ramené un Pionta sur notre magnifique base. Est-ce que je me trompe? Ah, une nouvelle médaille comète.
Pas médaille comète, comète farceuse. Qu'on ne va pas faire pour le moment. Alors, qu'avons-nous là? Tu veux faire joujou avec ton petit nuage? D'accord, amuse-toi bien. T'as juste de garder les pieds sur terre. Ok, donc en fait c'était pour ça, d'accord. On va juste revenir avec les prostrates. Hop là. Et on va donc avancer vers le château de Gozer pour finir cet épisode en beauté. Le vaisseau Mario peut voyager plus loin. Forteresse féroce de Boozer. Wouhou! Merci Mario. Irruption de la forteresse. Alors, ah oui, là aussi il y a raccourci. Est-ce que je sais encore comment faire? Je crois. On peut essayer, ça vaut le coup. On va monter. Donc ici, on va prendre ceci. Et où est-ce que je commence déjà? On va essayer comme ça et on va voir ce que ça nous donne. Ah, loupé. Dommage. J'ai l'air d'avoir à peu près réussi. Donc, on va réessayer. Donc, le raccourci, si vous n'aviez pas compris, c'est en fait, quand on atterrit sur la lave, ça nous fait évidemment remonter comme ceci. Mais, si la lave est sur un mur, et ben ça nous fait pareil dans le sens du mur. Enfin, dans le sens opposé du mur, donc là je vais à gauche, ce qui fait que je peux, voilà, gagner cette vitesse comme ça. Yes, j'ai réussi. Et on arrive directement ici, qui est beaucoup plus loin dans le niveau. Hop. Avancer. On fera un petit peu de lave, mais c'est pas très important, clairement. Ici, un anneau étoile qu'on va prendre. Et si je ne me trompe pas, c'est directement la fin de ce niveau où il y a la rencontre avec Bowser. Alors, ouais, si tu veux, je peux faire ça. Ok, je l'ai loupé, d'accord, très bien. Je veux juste. Voilà. C'est pas comme si j'en avais besoin, mais bon. Oh, je n'arrive pas à viser. Je vais me concentrer. Voilà. Là, ça. What? Sérieusement? Ok. Mais alors, si là, c'est pas bon. D'accord. S'il vous plaît, merci. Donc, ces deux autres devraient quand même être plus simples. Voilà. Une fois. Deux fois, j'ai pas trop à faire attention pour cela. Voilà, beaucoup plus rapide, effectivement. Et on peut sauter pour avancer plus vite. Et nous rencontrons, devinez qui? Ah, quelle surprise, c'est Bowser! Bon, d'accord, c'est pas une surprise du tout. Qu'est-ce que toi? Eh bien, de la part de mon ennemi juré, j'aurais dû m'y attendre. Mais finis de jouer, Mario. Je vais te réduire en bouillie plasmique avec mon poids de colosse. Très bien. Si tu veux, on peut toujours essayer. Et nous avons le deuxième combat contre Bowser. Oh, ça fait une onde de plasma, d'accord. C'est cool. J'aimerais juste que tu arrêtes avec ton poids et que tu fasses les météorites, voilà. Et comme ça, je peux tranquillement les renvoyer sur toi, d'accord. Cette fois-ci, elle produit également du plasma. Tant qu'à faire, hop.
What? Ok. C'était pas prévu comme ça, mais on va faire avec. Du coup, il faut attendre à nouveau un petit peu. Normalement, le poids devrait détruire une des deux météorites, mais pas l'autre. Donc, ça ne pose pas de souci. D'ailleurs, si on détruit les météorites, on obtient des pièces. Donc, si vous avez besoin de pièces et que vous les avez déjà. Ok. Et que vous les avez déjà toutes utilisées pour je ne sais quelle raison. Voilà comment régler le problème. Hop. Je viens vers lui quand il fait son poids, comme ça m'évite d'attendre qu'il vienne vers moi. Ça va un petit peu cuite. Je veux dire, c'est pas comme si ce combat est des plus intéressants. Alors, cette fois-ci, on va avoir droit normalement au souffle de feu, c'est ça? Oui, c'est bien, vous avez. Ah, ça laisse des traces derrière cette fois-ci, ok. Hop. Normalement, ouais, c'est bon. Hop, c'est dans la tête. Pauvre boulevard. Une fois, deux fois. Oui, tu peux faire ça si tu veux. Ça ne me dérange pas. Et juste avec ton poids, viens, s'il te plaît. Alors, est-ce que ça a. Non, ça affecte pas celle-là. Donc, c'est bien. Et. Non, désolé, c'est pour moi cette grande étoile-là. C'est triste, non? Quoi? Impossible. Ah, Mario, pauvre fou. Mon plan poursuit son cours, tu ne pourras jamais m'arrêter. Quoi? Bon, d'accord. Faut que je m'entraîne encore dans les rires machiavéliques, mais à part ça va. Et nous avons la grande étoile. Wouh. Oups. J'ai pas fait la soie au gorge, je ne sais pas pourquoi. Un portail vers un nouveau monde est apparu, encore une fois. Une nouvelle étoile. On s'approche doucement de la fin puisqu'on va arriver au monde 5 sur 6. Super, tu nous as dégoté la quatrième grande étoile. Tu t'es encore battu contre ce pirate de Boozer, hein? Il devient de plus en plus coriace, pas vrai mon gars? T'as l'air d'avoir pas mal souffert cette fois. J'ai pas perdu un point de vie! Pas un seul! Sérieusement, déconnez pas. Il faut qu'on arrête Boozer avant qu'il ne devienne trop puissant. Mais Boozer est trop puissant, c'est pas possible, ça, un oxymore. Allez, redoublons d'efforts, mais pourquoi? Il n'y a pas besoin. On largue des amarres, bon, ça d'accord. Nous arrivons donc au monde 5 qui a un design intéressant. Mazette, cet endroit a l'air d'être vraiment bien gardé. Si tu veux mon avis, Matzo, ça veut dire qu'on se rapproche du quartier général de l'ennemi. À coup sûr, ces pirates te réservent un accueil explosif. À toi de jouer, Optimus. Partie sauvegardée. Et donc, ouais, comme vous avez pu le voir rapidement, c'est un petit peu différent des autres mondes où on va de gauche à droite. Après qu'on aura fait cette galaxie, on aura tout débloqué, il me semble, dans ce monde. Donc, du coup, ça nous laisse un peu le choix de quoi faire. Mais pour moi, on va juste retourner vers le vaisseau Mario. Voilà. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et sur ce, c'était Chopacor. Allez, ciao tout le monde!